Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire gagner 5 énormes lots exceptionnels. Parmi ces lots, il y aura 4 maillots de football au choix de n'importe quel club au monde que vous voulez et de n'importe quelle taille. Et pour le premier prix, il y aura une PS4 neuve avec 3 jeux, dont FIFA 18, pour une valeur totale de 400€. Pour participer, il faudra s'abonner obligatoirement et mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Vous pouvez également mettre plusieurs commentaires différents, cela permettra d'augmenter vos chances de gagner. Lorsque les 115 000 abonnés seront atteints, j'offrirai 2 maillots. Lorsque les 125 000 abonnés seront atteints, j'offrirai encore 2 maillots. Et pour finir, lorsque j'atteindrai les 135 000 abonnés, j'offrirai le pack avec la PS4. Je vous souhaite à tous une bonne chance et un bon visionnage. Yo les junkies, donc c'est Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Dans cette vidéo-là, je vais réagir à une personne que vous connaissez sûrement, c'est SV2. C'est tout simplement un youtubeur qui pratique du football. Et donc, sur sa chaîne, il a proposé une vidéo où il testait de jouer pieds nus sur un terrain pendant pas mal de temps. Dans la miniature, on pouvait voir vraiment un pied complètement défoncé avec des trous et tout à l'intérieur. Du coup, nous allons voir si c'est vraiment un montage ou si il a vraiment fini avec un pied complètement défoncé. Et avant de commencer cette vidéo, on atteint la barre des 115 000 abonnés. On est même déjà aux 120 000 abonnés. Du coup, je vais vous dire les gagnants du concours. J'avais promis 2 maillots lorsqu'on arrive aux 115 000 abonnés. Du coup, j'ai fait le tirage au sort. Et suite au tirage au sort, j'ai réussi à avoir 2 gagnants. Donc 2 gagnants qui ont été tirés au sort parmi beaucoup beaucoup de commentaires. Je crois qu'il y en avait en tout 30 ou 35 000. Et donc les deux gagnants pour les deux maillots, c'est Blue Gaming et Hill Racer. Donc H-E-A-L espace Racer. Ces deux gagnants là, je leur ai envoyé un message privé sur YouTube. Donc si un de ces deux gagnants m'entend, va voir tes messages privés, tu as gagné un maillot. Et si ces gagnants là ne réclament pas leur lot en privé ou ne répondent pas au bout d'une semaine, je remettrai en jeu les maillots. Tous ceux qui n'ont pas gagné, c'est pas grave, aux 125 000 abonnés, il y aura encore 2 maillots, et aux 135 000 abonnés, il y aura la PlayStation 4. Et du coup, on va commencer par regarder la vidéo réaction tout de suite, c'est parti. Ok, donc le titre de la vidéo réaction, c'est 0$ Barefoot Football Boots, I Sprained My Toes. En gros, je crois que ça veut dire des chaussures de football à 0$. Donc on va regarder ça tout de suite, parce que des chaussures de football à 0$, normalement, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est pieds nus ou en chaussettes, même les chaussettes, ça coûte environ un petit peu de sous, donc c'est pas parce que ce soit à 0$, ça doit être sûrement pieds nus. Et donc, c'est parti. Alors là déjà je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il est en PLS, il a mal un peu on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc SV2, sa chaîne sera bien évidemment en description. Pour tous ceux qui connaissent pas, sa chaîne sera en description bien sûr. Ok, donc là depuis tout à l'heure il parle, je sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment à dire. Je comprends pas bien l'anglais, il parle de son Snapchat etc. Mais en tout cas on peut voir déjà qu'il est en chaussettes là. Et qu'il a mis un tour du monde, c'est vraiment pas mal. Mais en tout cas il est en chaussettes là pour le moment, donc il est pas pieds nus, il est en chaussettes. Donc là je sais pas ce qu'il a fait, il a fait un signe de prière ou je sais pas ce qu'il a fait, il a dit je prie pour moi-même. Et là il s'est mis pieds nus. Ah oh, franchement c'est chaud hein. C'est chaud parce que jouer, je sais pas si vous savez le synthétique, jouer sur le, genre déjà dès que vous glissez sur le synthétique, dès que vous faites un tacle, ça vous brûle de partout. Du coup il y a moyen que si à force de prendre des appuis ses pieds, le bas de ses pieds crame. Après j'en sais, je sais pas du tout. Ouais il est chaud quand même hein. C'est une rapidité hein, dans ses gestes techniques. Donc là il essaie de faire quoi? Double tour du monde. Il a failli le réussir déjà les gars. Franchement vous voyez qu'il a vraiment un bon niveau freestyle. Allez est-ce qu'il va le mettre? Ah dommage. En fait il fait pas le deuxième tour du monde. Il fait pas complètement. Il fait genre juste un petit truc. Il dit j'ai de la glue sur mon pied. Ça il y a beaucoup de gens qui le font ça hein. Why? Est-ce que vous avez la technique qu'il a sorti ce fou? Glue activé. En gros il dit qu'il a de la colle sur son pied qui est activé. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la caméra, c'est un malade. Ok donc là on est déjà à la moitié de la vidéo. Il n'y a aucune trace de trouage de pied. Il n'y a aucune trace de... Comme quoi la miniature avec les pieds troués c'est vrai. Espérons que par la suite ça soit vrai quand même. J'espère pas pour lui mais bon j'espère voilà quoi. Ouais donc là il faut une sorte de brésilienne, il y en a un des deux qui a perdu. Par contre là il a dû se faire vraiment mal aux orteils parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a fait un contrôle bizarre. Ça va ils ont du skill hein. Double, ouais, double tour du monde. Ok donc il dit que jouer pieds nus, je sais pas pour lui c'est mieux. Il a plus de contrôle donc il a un contrôle maximum de la balle. Et donc il trouve que lui pour lui c'est mieux hein.
I'm gonna show you guys that my bare feet are so accurate. Let's get into this penalty shootout and guys watch me. Donc là il dit qu'il allait commencer à tirer avec tout simplement pieds nus. Il dit qu'il allait vraiment commencer le vrai truc parce que les contrôles etc c'est bien, mais les tirs ça va vraiment voir si s'il arrive bien à tirer quoi. Donc premier penalty pieds nus, il a mis tranquille, placé à droite. Ça va, il arrive bien à gérer en pieds nus. Hein. Je sais pas si vous arriverez à le faire, mais en tout cas lui il se met bien en pieds nus. Lui aussi, non lui il est en crampon lui. Ouais, il a bien de ses buts. Donc l'autre il est en crampon et lui il est pieds nus, il essaie de voir un petit peu la différence qu'il y a entre pieds nus et crampons. Il a mis un poteau rentrant les gars, c'est choquant. Il est, franchement je trouve que moi, parmi toutes les vidéos que j'ai regardées, j'ai l'impression qu'il est même plus fort pieds nus qu'en crampon quoi. C'est un malade ce mec. Eh, il s'est fait mal lui. Lui c'est, hey, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait mal non? Ah son coude je crois, il s'est fait vraiment mal au coude je crois. Hein. Il s'est fait mal au coude, je crois. Ah, il a explosé son coude, je crois. Hein. Je crois qu'il a mis sa main comme ça bizarrement. Ça a dû lui faire mal au coude. Ah non, c'est sa main. Et je crois qu'il dit qu'il a vraiment, vraiment mal. Regardez où c'est qu'il tient sa main. Et pourtant, il a mal. Et il met des buts. Le roi Deus c'est qui tient sa main, il met des buts en pleine lucarne. Regardez sa main où c'est qu'il a tenu, il a mis un but en pleine lucarne alors qu'il avait mal à sa main, à son coude ou je sais pas où. Oh là là, il a mis une lucarne, il met que des lucarnes. Ah, il a plus mal au bras là par contre hein. Pour faire Michael Jackson, il a plus mal au droit, il a plus mal au bras ce fou hein. Il dit que là il a fini, il est fatigué. Il dit qu'il a tout réussi et que ses pieds sont en pleine forme. Ok, donc pour en conclure, sa vidéo elle est vraiment bien, il y a un bon montage, des belles frappes etc etc. Juste le petit problème c'est que la miniature tu vois, il avait montré qu'il y avait des trous. Malheureusement il n'y a pas eu de trous à la fin. Tant mieux pour lui on va dire, parce que franchement les trous qu'il a mis en miniature c'était assez choquant. Tant mieux pour lui, il a pas de trous donc voilà, franchement il n'aura pas besoin d'aller à l'hôpital ou quoi. En tout cas je voulais sur ça, je vous dis ciao les gars, c'était Crypto, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao.